des Polonais. Laisse-nous rentrer dans le club, dans le Happy Jack. Il va même péter le verre, Zer. Bienvenue dans le Happy Jack. Mais en fait, je suis déjà venu ici, je pense. Hein. Ouais. Ouais, mon pote, je suis déjà venu ici. Hein. C'est toi qui n'as pas coupé l'eau alors? Nee, man, ik spreek van jaren geleden, man. Hè. Het is echt zwaar donker. Hè. Quel carnage ici. T'as vu. Tu parles avec mes lunettes de soleil, je vois où est-ce. Et ça, on dirait que c'est du caviar. Ou c'est de la merde de rat. Montre-moi ce qu'il y a. Il faut surtout faire attention. Quand tu tombes là-dedans, mon frère. Ça, on va te sortir demain. Hein. Mmh. Toi, t'as l'air de l'aimer l'eau, à toi. Vas-y. Là, on dirait une odeur de piscine. J'aime bien. Punaise, waar zijn de mondmaskers, ashabi? Il n'y a plus de masque. Welcome dans le salon. T'as pas vu ça? Faut qu'on ferme quand même. Nou, hij sleutelt, dus dan heb ik de leiding kapot gemaakt. C'est ça. Oh non! T'as vu ça? Mais... Attends, je vais rentrer. Un truc de dingue. Les piscines pissent de eux-mêmes. C'est du jamais vu ça. Et en plus, l'acoustique, il est magnifique. Non, mais ça va. Normalement, t'as comme ça une odeur d'eau humide. Mais là, ça a vraiment une odeur chlorophylle. Tu trouves pas? Et mec, ici. Ouais, c'est bon. Bon, j'avoue, la première fois, j'avais pas les couilles de rentrer dans la cave. C'est pour ça que j'ai amené mon Sahab ici. Mon Sahab ici, il a jamais peur. C'est un guerrier comme moi. Mais. Je suis pas un héros dans les caves. Y'a Shaitan ? J'ai dit Shaitan, qu'est-ce que tu me dis Back to the 80s. Chetana.
Je suis content que j'ai mis ces... T'es fort. Voilà, vaya con Dios. Va avec les dieux. Le chamer, c'est quoi ce frigidaire? Happy Jack, c'est validé, c'est clôturé. Français, j'ai fait le Happy Jack en français, alors on va pas discriminer, on continue. On continue la démarche. Y'a les Handa qui arrivent. Ah ouais, non, ils sont là, hein. Ouais, t'as quand même raison. Tout, mais on veut vite faire rentrer, hein. Une minute. Wesh. J'aime pas ces blagues là, les blagues des Handek. C'est quoi ce tapis là? C'est un tapis de guedin. Un tapis gigantesque. Deux fauteuils, ouais, deux fauteuils de papy. Papy Mexico. Et là ça bouge comme jamais. Afaria Urbex Nicolasi. Ocas Urbex. Ocas Urbex, sûr. Un sombrero, ça s'appelle mes frangins. Ça, c'est l'équipe nationale des Turcs Galatasaray. C'est des Kardèches. Ça, papa, il y a une maison à paille. J'aime bien ce style de paille. Ça, c'est une veste en cuir. Est-ce que vous voulez... Ouais, c'est un peu sombre ici, on va quand même ouvrir la lumière. Comme là tantôt, ça donnait plutôt une vibe mexicaine. Ici, on est dans la Kinshasa, à Kin. Une république démocratique de Congo. Le RDC, Inosbi, Gazmawete et Fali Ipupa sont tous là. C'est des stars, les stars de la RDC. Et là, il y a le petit lutin Plop. Wesh, les stars. Ok, non, ça c'est Behind the Stars. Il n'y a pas grand chose. Ballon de foot. Et ça, je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était ça ici. C'est des bacs à plantes, c'est des... Ouais, j'ai aucune idée, mon frère. C'est lourd. Non, ça va. Là pour faire des buts, hein, pour faire un match de foot, on peut s'installer un petit but. Des poteaux quoi. Mais bon, avec tous ces verres par terre ici, c'est peut-être pas une très bonne idée de jouer au foot. Ok, oh ouais, j'ai marqué après. Ok, oh ouais, j'ai marqué après. J'ai marqué après. Le shape même. Mais ça, je vous ai pas encore montré la famille. Le shape en fait, c'est le... La base militaire de Mons, c'est gigantesque. Le poteau, il est d'or, il fait des photos, des drapeaux. Il kiffe, tu vois. Là, en fait, il y a tous les pays, il y a les keufs là. Et lui, il est là, en mode touriste. Il aime bien les drapeaux, hein. Drapeau noir. Ok. Ici, c'est des protéines ou quoi? Ouais, c'est chaud, la famille.
c'est des Polonais. Ils veulent me casser la gueule. Heureusement, il y a mon sahab. Il explique que c'est tranquille. Wesh. Heureusement, il m'a sauvé la vie, là. Il m'a sauvé la vie. Un lustre en bois. Ah ouais. La petite chambre secrète. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Wesh, y a quelqu'un. Oh, j'aime bien ici. On dirait la basilique de Tournai, la 400 cloches, Notre-Dame. Patrimoine UNESCO. Ça ne s'arrête jamais ici. La cuisine sale. Ah ouais, c'était ici, avec le planning de fou. La salle royale. Ok. Ici, retourne dans la chambre principale. Mais c'est surtout là-bas que ça fait flipper, franchement. Surtout le toit. J'ai jamais vu un toit si... Ouais, si... Je trouve pas le mot, mec. Le toit, il est carrément prêt à nous tomber sur la gueule. Sale. Les fondements sont plus très fiables. Voilà, restaurant Topaz, on l'a pris avec comme jamais. On va aller vers... Oh putain, dans le carré, dans le rond. Je suis un fou, moi. On retourne encore une fois pour monter. Voilà, la cave finalement on n'a pas fait, mais ça je laisse à vous. C'était ici peut-être? Ah ouais, c'était ici. Non, c'est encore une autre chambre ça. Assez grand quand même, un restaurant Topaz. On n'est pas déçu. Le frigo. Ah ouais, c'est ici. Le frangin et la faim. Le frangin et la faim. Ah ouais, je pense la dernière fois je suis pas monté, j'avais pas les couilles. J'avais pas le couille ou je m'avais entraîné trop fort. Bon, ici, tranquillement avec les marches parce que... On se sent très très doux. Gigi. Gigi l'amoroso. Gigi. The OGG. Ginger and gangster. That's me, bruv. Bon, le toit, il y a moyen d'y accéder. Là, il y a le garage. Des rebeux. Ouais, ils sont sympas. Hein. Ils sont sympas, hey. Orval. Le premier tag. Il y a quand même un tag ici dans cette maison-là. Le reste, c'est assez triste, assez sombre. Une Bible, peut-être. Une chambre rose orange flamenco. Encore une chambre de cachette. Des traces d'humidité. Oh putain, ici ça sent vraiment très bizarre. Je me sens vraiment très léger. C'est comme si j'ai bu trois. Moi je bois pas en vérité, tu vois. Si j'ai bu... Je me sens comme j'ai pris 4 gorgées d'Orval, frère. Voilà, on redescend. Faut que tu redescends, faut que tu redescends, même si je t'ai blessé. Oh check, si me dit je suis plus le même, parce que j'ai plus la zeb dans les mains. Oh check, arme, j'ai dit oh les mains, je veux plus que madame la juge me dise c'était les mains. Les problèmes un son, je veux pas me faire sauter devant dans le Canada. Wesh, pour YouTube, je vous ai dit, j'ai besoin de view time, j'ai besoin qu'on regarde les vidéos en complet. Et je peux plus utiliser les sons qui sont royalisés, quoi. Les sons des artistes. Alors, je suis obligé de chanter les chansons moi-même. Aucun problème. Si ça vous gêne, dites-le moi. La table, putain, elle est écartée ici comme dans un saloon. Putain, on fait la guérilla. Brrr, brrr.